Oh guys, welcome to my channel. You are on your channel PG Beniel. On this channel we teach you to play music and speak English. We share two videos per week, one video Monday and one video Friday. Please subscribe in the button below to receive all the notifications. Pour montrer comment que vous travaillez à arpège sous piano, ok? Donc n'attendez que comment qu'il tape jouer nous arpège dans commencement, c'est lui qui nous venir pour nous apprendre jouer aujourd'hui. Alors même si vous faites croiser sous chaîne ça avec nous et vous êtes toi avec apprendre piano, donc c'est vraiment pas, ok? Nous venir pour nous jouer aujourd'hui sous gamme mi majeur. Donc nous allons montrer qui note qui est dans gamme mi majeur et après nous allons montrer tout de suite qui sent que nous sommes faits sous gamme mi majeur. Ok? Donc, nous allons entrer là, nous allons aller sur le nous allons jouer sous gamme mi majeur. Ok? On dit que en gamme mi majeur, nous gagnons 4 dièses. Ok? Nous gagnons 4 notes. Nous allons savoir dire. Nous gagnons. Et bien ça, 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 ça. Ok? Nous allons commencer, donc nous connaissons comment la gamme s'est formée. Nous gagnons. Elle dit que la gamme mi majeur a gagné mi, fa dièse, sol dièse, la, si, do dièse, mi bémol et puis mi. Ok? Mi bémol. Donc, après que tout fait aujourd'hui à la, mais comment nous faisons? Nous allons aller. Pour mes gauches là, nous allons travailler pour mes gauches là avant pour nous capable montrer qui ça qui nous fait hein? Pour tout le monde qui a regardé la vidéo ça, qu'a fait bien. Maintenant, allez nous donc nous qui sommes comme si nous sous gamme mi majeur, nous qui sommes à comme mi majeur, ok. Gamme mi majeur, moi fais mi, fa dièse et puis sol dièse, ok? Moi quitte la, pas fait là, moi fais l'octave, on fait. Ça veut dire que je joue tonique la quête là, et puis moi vais faire fa dièse là, dans là qui représente comme si je fais mi à 9, ok? Ou mi à 9, ça veut dire que je fais 9e dans la donne là, on fait. Je joue mi. Si, et regardez bien, fa dièse et puis sol dièse. Ok, qui vient bon moi, yon, mi à 9. Et puis mi ça va le. Et puis ça. Vous l'aime venir sous sol là, pas bien que. Et mais ça nous va pas se occuper de mélodies hein? Nous allons apprendre qui mélodie qu'on joue là nous maintenant travaille sous mes gauche là d'abord nous allons sous si à la fin vers si et puis moi tout le faire la octave et puis moi tout marche gamme dans moi fait do dièse mi bémol vers ok vers do dièse mineur. Je ne vais pas jouer notre do dièse mineur en complet, je vais jouer à pêche. Je fais do dièse, sol dièse, et puis do dièse, et puis je vais faire mi bémol avec mi. De là, on fait. Ouais.
Dodez Minel en paix. Dodez. Sol dièse. Dodez encore. Ré bémol. Non, mi bémol, sorry. Mi bémol et bimi. Vimfe, m'balfe. Sol dièse mineur. Ok. Allez, c'est là, moi, jouer. Nous avons sous mi bémol, sol bémol. Nous sol dièse, sorry. Sol dièse et bimpe. Sol dièse, mi bémol, sol dièse. Jouer. Tonique, quinte et puis octave. Tonique, quinte, octave. On va commencer bien. Regardez, pas oublier que nous avons gardé que mi gauche là, ça l'a fait. Ben. Mélodie avec. Octave là dans si bémol vers si avec à l'autre dans vers et bien ok ouais et vous soumettez gauche là pour y aller le bal fait quatrième accord en fait quatrième fait mi majeur. Je vais te mi majeur comme ça et puis me faire si majeur et puis me faire do dièse mineur vous allez me faire mi mineur et j'attends sous la qui est égal avec quatrième accord qui dans gamme ça qui sont encore majeur va le jouer après je vais me faire on fait on a les boumets gauche là c'est on a les là c'est on fait accompagner dans dernier finissement sur deuxième renversement à l'octave on fait si si mi sol dièse si bé ouais regardez sous mi majeur encore moi tourner jouer à peine je me laisse à bas je à 9 la main jouer vers tonique et puis octave et puis me fait 9e dans la bougna là qui est différent avec quand tu fais premièrement premièrement me fait mais bougna là me fait ok mais premièrement me fait ça me donne à peine ça pile à du worship ok. Et là, vous l'avez. Allez, après, on est bien thank you.
Ok, moi c'est que tout le monde comprend, mais c'est que nous allons au travail et après ça, comme ça, pendant que nous avons joué, nous avons toujours passé. Et parce que après ça, plus fois, nous avons joué l'église, nous avons joué worship, ou bien tout, pendant que nous avons seulement passé, nous avons utilisé, nous avons vraiment belle, pratiqué, nous avons de trois habilités, et comme ça, nous avons progressé dans notre titre. Donc, nous avons campé là avec une vidéo ça, ou même qui t'a regardé la vidéo ensemble avec nous, partagez la vidéo avec nos amis, partagez avec nos autres, comme ça que YouTube a voici un bagage qui est important, et la sujet, il a su gérer la vidéo ça avec nos amis, comme ça, on va nous encouragement pour nous progresser avec le travail, pour nous continuer le travail. Chaque fois, vous partagez la vidéo ça, vous like la vidéo, vous quittez un commentaire, c'est dit que vous dites que vous encouragez le travail là, pour nous capables de travailler plus. Donc nous restons là ensemble avec vous. C'était un plaisir. Ou même qui peut gagner Jésus dans la vie encore, c'est temps pour faire ça. Parce que tout ça qu'on a fait, ce n'est pas plus important que la vie spirituelle. Donc, ou même qui peut gagner Jésus, fait ça pour nous. Et ou pas perdre ça au dernier jour. Ou après retrouver les récompenses. Nous quittons là, nous avons une vidéo. Bye.